Voilà, ça va maintenant, ça ouais. va. Ouais. Tu vois, Eve, la chose la plus importante, c'est quand le pigeon arrive, c'est de lui enlever sa bague. Ouais. De façon à le constater dans, le plus rapidement possible. On met la bague dans un petit boîtier que l'on introduit dans un appareil afin de, d'officialiser son heure d'arrivée. Ouais. Voilà, un pigeon qui rentre du concours. Il a fait 400 km. Il s'est dépêché de revenir pour retrouver sa compagne. En fait, je comprends pas comment il fait pour revenir. Ben, le pigeon a toujours tendance à revenir où il a été élevé. C'est là-dessus qu'on s'est basé pour faire le jeu de pigeon. Dans leur tête, leur but, c'est de rentrer. Hein. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de rentrer. Rentrer pour leur pigeonnier, pour avoir à manger, pour retrouver leur compagne, pour se sentir bien où ils sont. Quoi. Donc c'est à penser que le pigeon, il y a un radar dans le pigeonnier, ou je sais pas con. Il y a un radar dans sa tête Non, mais il est en contact avec la base, quoi. Moi, je compare toujours le jeu de pigeon au tiercé, au sport hippique. Le sport hippique, les gens concourent, posent de l'argent sur le cheval d'un autre. Au sport colombophile, les gens posent de l'argent sur leurs pigeons. Et le sport colombophile, c'est le sport hippique du pauvre. Ça coûte moins cher que d'élever un cheval. D'une prière pour qu'un pigeon y arrive, il nous arrive un arbre.